Alors, du coup, il y a eu l'arrivée du Admiral Akainu, du coup, Admiral Takazuki. Du coup, il y a sa bannière qui est arrivée, comme d'habitude. Bon, vidéo présentation, j'ai déjà fait. Du coup, pour avoir un Akainu simple, c'est 0,01% de chance de l'avoir, vraiment en entier, et sinon, 24,5% de chance d'avoir, du coup, des fragments, du coup, de 1 à 5 fragments de Akainu, comme d'habitude. Les récompenses, c'est par rapport à où t'es classé. Comme d'hab, c'est toujours la même chose sur le niveau bannière. Et si vous achetez des diamants pendant l'event, vous gagnez des tickets. Et sachez que vous êtes bridé, vous pouvez pas faire plus de 80 ouvertures de tickets par jour. Voilà. Du coup, n'ouvrez pas avec pas de tickets de diamants, pardon. Vous n'ouvrez pas avec des diamants. Alors, voilà. Sinon, le plus important, c'est ça. L'ordre d'exécution de Admiral Takazuki. Une puissance à 1 million. Non, si, 1 610 166 niveau 100, 250. Nanana. Enfin bref, voilà. Dans le magasin, on peut avoir quoi? On peut avoir Akainu. Ok, on peut avoir 50 fragments par contre, hein. C'est pas Akainu entier. On peut avoir la Bohankok. On peut avoir quoi en bas? Il y a Weeble qu'on peut avoir aussi. Des coupons de points. Ça, je les prends souvent. Je vous les conseille. On a peut-être des livres d'arcane aussi, j'en ai marre. Enfin bref, voilà, il y a des bons trucs. On va tester maintenant. On va tester avec ma vraie team, comme d'habitude. Je pense que je vais le détruire, mais on va tester avec ma vraie team. On va essayer de voir des animations comme on n'en a vu aucune animation. Ok, faut pas que je le stun. Ok, lien de gravité, c'est un peu chiant. Ok, bon, on n'a pas vu son T1. Peut-être on verra son T2. Ok. Oh, il est en mode vénère là. Là, il est en mode magma et en fusion là. Oh, il est stun. On va pas voir son T2. On va peut-être voir son auto, peut-être au moins. Une petite auto au moins, monsieur. Monsieur le commissaire. Je vous jure. Une auto-attaque peut-être? Ah, ça m'étonnerait, il s'est pris une raillerie dans la gueule. Oula, allez, je l'ai détruit, on n'a même pas vu une de ses attaques, il s'est rien passé, c'est ok. On va changer de team. Du coup, toi tu stun, toi tu mets les liens de gravité, hop, toi tu dégages. On va mettre que des persos qui mettent pas de... Qui mettent rien, quoi. Vas-y, on va mettre un peu de dégâts quand même. On va mettre barbe blanche. Raï, c'est auto-attaque Salinscake. Oui, mais moi je veux voir des compétences, je sais que c'est une auto-attaque. Je vais voir des compétences. Oh, on va voir sa première compétence. Let's go. Oh, elle est stylée. Elle est belle. En vrai, elle est belle. La première compétence, elle est belle. Les petits tourbillons de feu là. Elle est pas mal. J'ai bien aimé. Ok. Première compétence, elle est pas mal. Oh, les chouches. Allô. Ok, la deuxième. Oh, propre. Et du coup, c'est attaqué. Ah, il faut que je fasse un test. Je vais faire un test sur la troisième. Avec la même team. Comme en gros, il faut que je vois s'il tape aussi les deux autres personnes qui sont dedans. Faudra que je vois un truc. Je vais faire un test. Sa SP2 est magnifique. Elle est vraiment pas mal, sa SP2. Je vais mettre en x1 même les SP2 juste après. Au moins, sa SP2. Sa SP1 est belle aussi, en vrai. Ses compétences sont belles. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses compétences. Bam bam bam. Son auto est simple. C'est ok. Bam bam. Allez, ça dégage. Ok, ça dégage. Voilà. Je vais changer juste de formation pour voir un truc. Juste un petit truc. Hop. Formation. On va mettre comme ça. J'ai besoin de voir un truc. Genre sur sa SP2, j'ai besoin de voir qui tape. Comme dans la traduction VF, du coup, de ses compétences, c'est un peu cafouillis, quoi. Et du coup, tu comprends pas vraiment tout. Et du coup, j'ai besoin de savoir. Là, il focus une des deux personnes devant. Ok. Et il peut mettre vampirisme sur tout le monde sauf sur lui. Ok. Et là, c'est la compétence 2. On va regarder en x1 pour voir plus en détail. Aïe. Elle est propre. Non, il a pas pris de dégâts du coup le Sengoku.
Ah mais attends, what? Mon barbe blanche a disparu. What? Mon barbe blanche s'est fait détruire? Je l'avais pas vu. Mon barbe blanche s'est fait explosed. Ok. Pom pom pom. Pom pom pom. Vas-y hein, monsieur, encore plus hein, si tu veux. Pom pom pom. Ok, bon, j'ai gagné. En vrai, il est bon, mais c'est un peu... Si, en vrai, il est pas mal, je crois. Il est vraiment pas mal. C'est un gros anti-tank, quoi. Bah là, il vient de me one-shot mon barbe blanche, j'ai pas compris. Mais ok. Pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. En vrai, pourquoi pas. Du coup, moi à chaque fois, j'achète les paris en plus. Bah, les paris, les tours en plus. Comme en vrai, dans cette boutique, il y a pas mal de trucs intéressants. Du coup, à chaque fois, moi, j'achète en plus. Du coup, pour acheter, j'achète d'abord les coupons en priorité. Pour un futur perso que j'achèterai, j'ouvrirai. Du coup voilà, en vrai simple, efficace. Mais le perso est stylé, les animations sont stylées, j'aime bien. J'aime bien. Mais bon, je l'ai détruit comme d'hab.